Bonjour Laurine, alors dites-moi un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites là. Bonjour, alors je m'appelle Laurine, je suis en deuxième année de BTS MCO au lycée Caria à Bourg-en-Bresse et je construis mon CV, ma lettre de motivation sur Europass. Vous le faites pour quoi? Dans quel objectif? Alors je le fais pour effectuer un stage à l'étranger de 2 mois à partir de janvier. J'aimerais faire mon stage dans le commerce et plus précisément dans le prêt-à-porter. Après vous, qu'est-ce que la mobilité peut vous apporter? Je pense que ça peut me permettre d'améliorer mon niveau en anglais, de pouvoir valoriser mon CV pour mes offres d'emploi futures et d'être plus confiante. Alors par rapport à Europass, qu'est-ce que vous pensez du CV ? Europass, ça a été un petit peu compliqué au début au niveau de la création du profil, enfin pour l'inscription par rapport au mot de passe. Mais après, le site, il est assez facile d'utilisation. Et il permet de créer un CV organisé et qui est plutôt guidé. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut modifier à tout moment les informations qu'on y rentre. Utiliser les rubriques sur la formation, sur l'expérience professionnelle. Est-ce que vous avez utilisé d'autres rubriques? Oui, on a aussi la possibilité d'accéder à des rubriques sur les centres d'intérêt, par exemple. Et après, ça permettra de nous aider pour la recherche soit d'un emploi, soit d'une formation. Et la rubrique sur les compétences? Oui, il y a une rubrique qui concerne les compétences aussi. Et pareil, qui permettra la même chose que la rubrique des centres d'intérêt pour affiner notre profil. Et là, pour finir, est-ce que vous conseilleriez la plateforme Europass à un étudiant? Alors oui, je conseillerais la plateforme Europass à un étudiant parce que ça permet de construire un CV organisé et guidé, ainsi qu'une lettre de motivation sur la même plateforme. Très bien, merci Laurine et puis bon stage à l'étranger. Merci.